الي اف ام سبيسيال راديو كومبلاس اف ام احلى راديو مساء النور عسيمه اهلا وسهلا بالجميع اليوم الجمعه 2 فبراير 2024 موعد جديد من الي اف ام سبيسيال راديو كومبلاس حلقة اليوم هامة وهامة برشا، نتصور برشا منكم يستنّوا فيها لأنه سنطرح فيها موضوع كان قلق برشا الطلبة والطالبات والعائلات في الأسابيع الفارتك كما تعرفوا شهر ديسمبر نوفمبر الحدث في في فرنسا عموما كان نقاش موضوع قانون الهجرة الجديد، كان جدل كبير في الكواليس السياسية، كان جدل كبير عند الفرنسيس، عند الأجانب خاصة لأنه باش يغمسهم مباشرة وعند الطلبة، لأنه كانت فما برشا فصول تخص الطلبة، القانون هذايا كانت اقترحت الحكومة الفرنسية تعدى المجلس النواب بعد تم إعادة المناقشة ومجلس مشى مجلس الشيوخ وين آه تمت المصادقة عليه نهائيا بتغييرات كبيرة حافظت على حقوق الطلبة الأجانب بما أنه احنا برنامج يعنى بالدراسة في الخارج حبينا نرجع ونفسر شنو اللي صار مع القانون هذايا

partir donc des, des étudiants à l'étranger et j'ai mis notre émission donc la deuxième partie ça pour la deuxième partie dans de notre émission donc كان باش يتبدل وما تبدلش باش نفسروا للناس انه الطالب الاجنبي والتونسي اللي احنا نحكيوا بالتونس اساسا باش يمشي يقرا في فرنسا راهو متبدل شيء بالعكس كومبيوس فرانس زادتكم في الاجيال حتى يوم 15 فيفري بالنسبه لبعض لي بلاتفورم تو بعد نعطيكم اكثر تفاصيل انكور اون فوا دون لي ستوديو اف ام بيان فينو ميرسي بوكو اي سي با ان هازار بوتيتر سي سي لو ديستان Un an ah déjà Monsieur Fabrice, un an de l'IFT en Tunisie, 1er février 2023, 1er février 2024, c'est une occasion pour faire le bilan en fin de compte. Absolument, c'est un très bel anniversaire, je suis très heureux d'être ici. Comment ça s'est passé l'année avant de rentrer dans les détails donc C'était une année de découverte, c'était une année quand même directement, vous êtes dans le bain, travailler, plusieurs activités. et On va rappeler bien sûr les axes sur lesquels travaille l'IFT. Oui, c'était une année de découverte, une année de... Euh, arriver en cours d'année, parce que normalement on arrive au 1er septembre, là c'était le 1er février, donc euh, les collègues étaient en plein travail, tout se passait, et voilà, ça m'a permis de découvrir plus vite finalement qu'une qu arrivée au 1er septembre, mais c'est une année de découverte très intense, découverte du pays, découverte des activités, des partenaires, énormément de gens à découvrir, à, à faire connaissance, essayer de savoir ce qu'on peut faire mieux, différemment, écouter les collègues d'abord, écouter les partenaires ensuite, et puis toujours être attentif à ce que nos publics... Euh, disent à ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc une année euh, très chargée, très intéressante, absolument passionnante, dramatique aussi comme pour tout le monde sur les, les quatre derniers mois, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre travail, de, de, de vivre malgré tout ça, et, et sans pour autant euh, amenuiser ou minimiser tout ça. دونك حبينا مع مش فابريس نرجعوا شويه على سنه من حضوره منذ حضوره الى تونس واشرافه على اللي تي دونك بالنسبه لي السنه الاولى كانت سنه للاكتشاف اكتشاف البلاد اكتشاف الشراكات اكتشاف ايضا الزملاء كانت ايضا فرصه لاستماع للجماهير والبليك نتاع اللي تي بمختلف الاختصاصات نتاعو ايضا تحدث على اشهر سهله واشهر صعيبه ولكن هذا هو العمل avant de ندخل encore plus dans les détails monsieur Fabrice permettez-moi Pour expliquer aux gens ce qu'est la fonction d'un conseil de coopération d'action culturelle. Donc, parce que directeur de on va en détailler avec les différentes branches de l'IFT, mais un conseil donc de coopération d'action culturelle, c'est quoi son rôle exactement C'est un peu de superviser l'ensemble de la coopération française en Tunisie, et ce n'est pas que l'IFT, l'IFT, c'est le centre culturel, linguistique, qui s'adresse au public, surtout jeune, mais pas que. Mais c'est des endroits les IFT. Il y a trois instituts français de Tunisie, c'est Tunis, Tunis Sousse, Sfax. La coopération, c'est au-delà. Ça passe dans toute la Tunisie. Ça prend aussi avec expertise France, avec l'agence française de développement. Ce sont aussi les écoles à programme français, le label France Éducation. Euh, c'est les alliances françaises. On en a six. C'est tout ça qui relève de la coopération et de l'action culturelle française à l'étranger. Donc, pour ce qui me concerne en Tunisie, dire que ça dépasse l'institut français de Tunisie pour aller sur l'ensemble de notre présence au plus près des besoins de nos publics en Tunisie. آه دور آه المستشار آه الـ التعاون او الثقافيه الكوكاك سي لو كونسي دو كوبيراسيون داكسيون كولتوريل الاشراف على مختلف الشراكات بين تونس وفرنسا ماهيش فقط الاي اف تي هي ايضا الاكسبرتيز هي ايضا الاشراف على ليزاليونس هي ايضا الاشراف على المدارس الفرنسيه بتونس على عدد كبير من المؤسسات والاعمال والبرامج المشتركه بين البلدين اون روفيندرا دون كيلكو انستون سور اف تي سي اوسي تري هو جا في فيفري مش كما متعودين بالنسبه مديرين الجدد والعموم في العالم الدبلوماسي عمليه التغيير تصير في الشهر سبتمبر ان سور سيت coopération Donc On, on, on remarque n'est pas dans notre conducteur, mais si on revoit qui est très important, et que pendant les dernières années, il y a une croissance des nombres donc des écoles qui présentent donc le programme français. Et il y a plusieurs Tunisiens là qui, qui adhèrent à ces écoles. Comment vous voyez ça Parce que ils veulent que leurs enfants passent le bac français, mais qu'il ait aussi donc l'éducation et, et le programme donc secondaire et, et au niveau des lycées français, donc et aux écoles aussi. On je pense on que en voit partout là Bien dans sûr. toutes les, les régions, sûr. sur toutes bah, les partout, villes. Honnêtement, oui, mais euh... ça, ça pousse quand même. Oui. Alors... On n'est pas payé pour ça. Nous, on est payé pour faire notre travail de répondre aux attentes des gens en Tunisie. Il y a des familles qui souhaitent que leurs enfants suivent les études dans les lycées français, à programme français. Mais après, la majorité de ceux qui obtiennent le baccalauréat, ils restent étudiants en Tunisie. Mmh. Ça n'empêche pas. C'est juste qu'on propose une alternative. Et je trouve que c'est finalement que la Tunisie est entrée dans la mondialisation qui existe toujours. Hein. Le Covid n'a pas tué la mondialisation. Et donc, c'est une offre diversifiée de programmes variés. Bah, Aujourd'hui, ici en Tunisie, on est à un peu plus de 18 000 enfants, à plus de 90% Tunisiens, qui suivent des programmes français. Mais ils sont en Tunisie. Ce sont des établissements de droit tunisiens, d'investisseurs tunisiens, des professeurs tunisiens. C'est une façon différente des programmes tunisiens d'envisager de, l'apprentissage, l'éducation. C'est. Plus coûteux aussi, il faut être honnête, c'est pas, c'est pas gratuit. Mais il y a des établissements, je pense à l'école internationale de Tunis, qui est une école publique tunisienne, oui. où il y a le programme français. Je pense aussi à tout ce qu'on fait à côté avec le label France Éducation, 56 établissements, moitié public, moitié privé, tout ce programme scolaire tunisien dans toute la Tunisie. C'est en fait une évolution du monde qui arrive en Tunisie. Les familles ont le choix. Bien sûr, la première contrainte, c'est le prix, le coût. Mais au-delà de ça, on offre le choix le choix de la scolarité, les écoles françaises, ça commence à 3 ans, jusqu'à l'âge de 17 ans au baccalauréat, à 17-18 ans. On peut faire les études en France supérieures ou ailleurs. Ou restant, oui. On peut faire les études secondaires en Tunisie, à programme français, à programme tunisien, ou à programme tunisien avec un peu de renforcement, c'est le label France éducation. C'est le fait de diversifier les choix, les possibilités. On ouvre des possibilités aux gens qui sont avec nous sur cette terre. C'est tout. Voilà. Euh, جديدة هو الأساس تاع أي شخص أو أي عائلة تختار أنه يقرأ ولده مثلا البرنامج الفرنسي نحكيه 18 ألف تلميذ وطفل وطفله يقراوا اليوم في البروغرام فرونسي لكن هي مؤسسات واستثمارات تونسيه بكفاءات ومعلمين توانسه ولكن يتبعوا البرنامج الفرنسي الثمن المرتفع نوعا ما مقارنه بالمدارس العموميه، المدارس هذه ما منعش عائلات كما قلنا 18 ألف تلميذ وتلميذه انهم يلحقوا ابنائهم بالمؤسسات هذه بحثا عن نظام وبرنامج تعليمي مختلف. Euh, après la pub, on, on va partir juste après ce passage-là dans les écoles. On va partir dans les universités. On va parler donc euh, euh, des études en France. Donc, euh, on va revenir sur euh, la nouvelle loi donc, euh, de migration et la polémique. Monsieur On va parler aussi de l'IFT, des différents euh, branches de l'IFT. Ana rajin abqa mana lhadat. On spécial Radio Campus. Une tomate à Smurfie. spécial Radio Campus.

2024. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de, de ce bilan Est-ce qu'on peut faire déjà le bilan d'une année Aussi un peu tôt. Ah, c'est toujours tôt, toujours trop tôt les bilans parce que euh, <laughs> on est en permanence sur des projets qui s'enchaînent. Donc, euh, on est toujours à proposer des idées les réaliser. Et puis, ça prend des mois. Parfois, ça prend des années. Donc, c'est jamais le temps de faire un bilan. Mais euh, le premier bilan, c'est d'abord une très grande satisfaction d'avoir des équipes euh, qui sont euh, formidables. Euh, c'est essentiellement des, des collègues tunisiens tunisiennes et tunisiens qui font un travail remarquable tu équipe de collègues français aussi ils sont pas mal et c'est ça se complément oui voilà c'est fait pour mais les tunisiens ils restent les français ils passent donc euh, pour ah. nous l'institut français de tunisie c'est d'abord et avant tout les collègues tunisiens qui sont là pour certains depuis très longtemps 20 ans 25 ans et qui sont au service référent. de la relation entre nos deux pays service de la promotion de nos deux cultures avec une langue en commun, avec euh, des tas de, de, de passé, de, de références culturelles, d'envie partagées. Donc, bilan d'un an, bah, on a fait, je pense, jolie chose. La dernière, euh, plus notable, c'était la présence de pièces françaises aux journées théâtrales de Carthage. Trois pièces, euh, cinq représentations, salle comble, un succès énorme pour chacune de ces pièces. On avait mis près de 500 000 dinars pour euh, financer ces pièces. Le, le, le public tunisois a Été au rendez-vous et ça a été un très gros succès. On est très très fier que, que la, la, le théâtre français euh, et pas que français, puisque c'était une mise en scène de Robert Wilson, une mise en scène de Peter Brook notamment, et, et puis être euh, apprécié par le public euh, de Tunisie. Donc c'est pour nous la plus grande fierté récente, celle du mois de décembre. Puis ça continue, on a plein de moments. On, on va revenir mois. avec voilà. des détails. Laissez-moi toujours le temps de traduire. Donc, Fiam, à Taqim à court terme ou à long terme. Donc, Dima Fama لكن في عام هناك رضا كبير على الفرق الممتازه اللي لقاها في ليفتي توينسا وفرنسيس يخدموا مع بعضهم عندنا توينسا يخدموا في ليفتي كل هو منذ اكثر من 20 و25 عام من اخر الحاجات اللي راضين عليهم برشا في ليفتي هي مشاركه قيمه جدا في ايام قرطاج المسرحيه ثلاثه مسرحيات فرنسيه قدموا خمسه عروض تم دعم الدوره ب ألف دينار avant de rentrer Donc à l'IFT, euh, le forum de mobilité, pour quelques occasions. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est peut-être euh, tous les directeurs qui ont passé par là, et vous êtes sur, aussi sur la même ligne, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance familiale, c'est une ambiance qu'on ne trouve pas ailleurs. Les gens voient ça de l'extérieur, je conseille tous les gens à rentrer, donc euh, Fischer Abelis, allez voir l'IFT de l'intérieur en 11. On est surpris de trouver des jardins, un restaurant, euh, un cadre agréable, euh, une médiathèque, un cinéma et tout ça. Donc, euh, comment réussir à, à garder cette ambiance quasi familiale Donc, à jouer l'IFT mortel. Parce que, en comparant juste la rue devant l'IFT avec. Euh, parce que c'est le métro qui passe, c'est la circulation, mais dedans, c'est quelque chose de très différent, visuel et même émotionnel. Je pense qu'on a tous le. Le, le même, euh, la même préoccupation. On fait attention aux uns et aux autres. On fait attention à nous entre collègues, on fait attention à nos publics, euh, à ceux qui viennent apprendre le français, à ceux qui font leur procédure Campus France, aux, aux jeunes qui viennent à la médiathèque, euh, à ceux qui nous font plaisir d'aller au cinéma, d'aller déguster la, la, la cuisine euh, au restaurant. On fait attention aux gens. C'est un espace où euh, personne n'est indifférent aux autres

les gens connaissent peut-être euh, la plus fameuse, peut-être la plus ancienne aussi, donc, euh, euh, celle au centre-ville. Mais il euh, y, y, y a deux autres instituts, donc euh, sur Sfax et la toute dernière, c'est sur Sousse. Tout à fait. Sousse, on, on est en train de, de s'installer dans un bâtiment tout neuf qu'on a construit là depuis euh, un an et demi. Euh, un très beau bâtiment, euh, une couleur un peu ocre, euh, ça, un peu. Un peu... Ça a été annoncé différent. pour 2023, l'ouverture. Alors, en fait, en 2023, on avait aussi. fini de gros les travaux, on avait installé une partie des, des, des services dedans. Là, maintenant, ils fonctionnent pour les cours de français, ils fonctionnent pour Campus France. Donc, les étudiants de Sousse et de la région qui veulent lancer... Euh, leur procédure Campus France, il y a un espace Campus France qui est ouvert dans le nouvel institut. Et puis là, avec le printemps, on va installer euh, la salle de cinéma, le café, la médiathèque. Et on peut dire qu'à partir du mois de mai, l'Institut français de Sousse sera pleinement inauguré, il sera un institut français complet, parce que c'est un petit peu le

est-ce qu'il y a un format exactement Donc, euh, et pour que l'ouverture soit finale, il faut avoir la médiathèque, la salle de cinéma, le coin de bouffe, et bien sûr les, les autres services euh, consulaires, euh, le, le, le campus France, etc. Est-ce qu'on on peut pas euh, parler d'un NFT sans tous ces, tous, tous ces services réunis Ah, moi, je suis pas contre hein, pour y avoir juste mon bureau. Mais, <laughs> honnêtement, c'est pas fait pour ça. Un institut français en Tunisie ou ailleurs dans le monde, voilà. c'est fait pour accueillir des publics qui veulent trouver la langue française, la culture française. Et la culture française, c'est quand même de la bouffe. Il faut des croissants, ou il faut un chocolat, ou il faut du café. Il y a un truc, s'il n'y a pas ça, c'est pas. J'ai été directeur adjoint de l'Institut français de Chine à Pékin, le centre culturel, on avait un café. C'est obligé. Ouais. À Moscou, j'étais directeur de l'Institut français de Russie, à Moscou, il y a un café, on a des croissants. C'est ce, ce, ce que les gens attendent. C'est des traditions. C'est ce que les gens attendent. Vraiment, personne ne se doute que le croissant français, on appelle ça une viennoiserie, parce qu'en fait, ça vient des pâtisseries ottomanes. Et que c'est un siège de Vienne au 18e siècle que les pâtissiers français ont appris la technique de la pâte feuilletée. Donc en fait, c'est ottoman le croissant. Mais partout dans le monde, c'est français. Partout dans le monde, on veut des croissants avec un café. Si possible, une baguette de pain, un béret. Voilà. Et pourquoi pas après tout on n'est pas dans la caricature non plus quand on le fait. On essaye d'avoir autant que possible, à chaque endroit où on s'implante sous forme institut français, quelque chose qui rappelle aux gens ce pourquoi ils sont venus là. Ils sont venus, on va pas mettre des tours Eiffel partout. Ils sont venus pour avoir de la culture, de la langue, et puis voyager un petit peu. Même s'ils ne sont pas là pour apprendre quelque chose, juste voyager. Et ben on voyage parce qu'il y a aussi un café, il y a aussi un croissant, un sandwich, voire un plat cuisiné. Ouais. Ça fait partie de l'identité, mais après tout, la Tunisie, c'est pareil. Un couscous au poulpe ou au tout le monde sait que c'est tunisien. Et moi, quand je vais à Paris, je suis content d'en retrouver dans certains endroits que j'aime bien. الحديث على ايدونتيتي مميزه لي اف أه... كيما في كل اماكن في العالم مش فابريس كان موجود في الصين كان إيه رئيس ليفتي كان ايضا يشرف على لي اف في موسكو ديما موجود كل الكوان هذاك نتاع القهوه ذاك علاش أه... حبيت نرجع لو سمح بينا انه الافتتاح الرسمي ليفتي سوس باش يتم وقت تكمل كل المكونات جوستومون باغمي اهم هالمكونات هذوما نلقاو ل... 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 دونك أه... Rentrons un peu dans les détails de l'IFT. Donc là, dans l'IFT, on trouve une médiathèque, on trouve donc un, un, un cinéma, euh, on trouve une bibliothèque. Qu'est-ce que c'est C'est gratuit Comment c'est l'accès pour, pour les gens On aimerait bien donc, parler un peu et introduire ces services. Et après, on va parler aussi d'un autre service qui est très important, c'est les centres de langue, pour arriver à la fin de notre émission, donc euh, euh, à Campus France et, et, et les, les étudiants. C'est vous qui décidez. D'accord. Alors... Dans un institut français, d'abord, le principe, c'est que c'est ouvert à tout le monde. C'est libre d'accès. C'est tout. Bien sûr, il y a un contrôle de sécurité, mais voilà, c'est libre d'accès. Parce que la culture n'appartient à personne. La langue française n'appartient à personne. Elle appartient à tous ceux qui la pratiquent partout dans le monde. Et un institut français, c'est d'abord un lieu où on met en valeur la langue française. Bon, donc tout le monde doit pouvoir y rentrer. Bien sûr, après, il y a des services qui sont payants. La médiathèque, c'est un abonnement, c'est pas très cher. Mais par contre, pour un abonnement annuel, vraiment de quelques dizaines de dinars à peine, c'est un accès à des dizaines de milliers de livres, de revues, de disques, il y en a encore des, des, des CD, des DVD. Dans toutes les Registre pour les plus petits, pour les plus jeunes, il y a de la littérature jeunesse. Il y a pour les ados, on va avoir des mangas, des bandes dessinées, des romans graphiques. On va évidemment sur les romans de la littérature contemporaine, des formes patrimoniales, 18e, 19e siècle, et puis des disciplines universitaires, scientifiques, philosophie, histoire, géographie, religion. Tout ceci fait partie du fond d'une bibliothèque, d'une médiathèque. Dans nos trois médiathèques d'instituts français, à Tunis, à Sousse et à Sfax, il y a une diversité de livres, d'ouvrages pour nos publics. Alors, au-delà de ça, il y a aussi l'accès au cinéma. On a la chance, à Tunis, d'avoir un auditorium où on peut proposer 10 séances de cinéma par semaine. Pour quelques dinars, c'est vraiment très modique. Il y a du cinéma français. Il peut y avoir du cinéma. Il y a des projections spéciales, avec, il y a plein de fois projections spéciales. avec des débats. Plein. Et oui. ça, les projections spéciales de cinéma tunisien. C'est toujours un très grand succès. On en a fait régulièrement. Quand je suis arrivé, pour vous dire on parlait il y a un an, quand on est arrivé, c'était Haskell qui était euh, la ouais. séance avec le réalisateur. Et quelques semaines après, il a eu le premier prix euh, euh, au festival euh, à Burkina Faso. Donc, euh, je veux dire que honnêtement, c'était le plaisir d'accueillir un grand réalisateur pour un film magnifique euh, qui a fait le tour du monde, qui a été apprécié partout. Et on l'a fait régulièrement, on l'a fait avec Je reviendrai là-bas, on l'a fait. Tous les succès du cinéma tunisien contemporain, ils passent à l'Institut français, on reçoit les réalisateurs, le public vient, la salle est pleine à craquer. Il y a aussi du cinéma français et d'autres pays aussi, parce qu'on n'est pas fermé, on n'est pas. D'accord. من لي سيرفيس اللي تقدمهم ليف تي دونك ليستي تونس دونك الميديا ايضا في الميديا عشرات الالاف يعني الدخول مجاني للناس الكل بالطبيعه الثقافه لا يمتلكها احد حسب تصريحات مسيو فابريس روسو مدير ليف تي دونك كما قلنا في الميدياتيك عشرات الالاف من لي ديسك لي دي لي دي في دي على ذمه الاشخاص اللي يعملوا لابونمون ونحكيو زاد على عشرات الالاف من الكتب المتنوعه في ثلاثه دونك في ليف تي تونس فاقس وقريب ايضا مع مختلف السيرفيس في في سوسا في تونس بطبيعة فما لوديتوريوم عشر عروض سينمائيه في الاسبوع وديما تحتضن يفتي تونس عروض خاصه بحضور المخرجين وحضور حتى الممثلين وكانت يعني لقاءات فيها نقاشات هامه برشا لاندي برانسيبو سيرفيس Dédié à l'IFT, c'est l'enseignement de la langue française et bien sûr euh, l'attribution des diplômes. Et, et là, chaque année, je crois que plus de Tunisiens qui sont ouais. inscrits sur ces cours et qui font les tests. Donc là, on parle de TCF et de DELF et de DALF, etc. C'est pareil, deux choses. Il y a ceux qui sont inscrits, ça, et ceux qui sont inscrits pour prendre des cours à l'Institut français. Oui. On a 13 pôles en Tunisie. 13. Pôles. Donc, euh, on a, outre les trois instituts, on a des pôles dans des villes où, en fait, on a juste des, des salles de, de langue avec des professeurs de français pour le public. Et le dernier ouvert, c'est aux heures. On a rouvert aux heures, là, il y a, il y a quelques mois. Juste une salle. Pas, pas, pas par exemple, en Marseille, il y a bon, l'Alliance. C'est pas, pas une alliance. Non. Juste des salles de classe. Dans des écoles, on loue ça. Loue ah, vous, vous louez donc une salle donc, voilà. ta... pour, pour, pour bien présenter l'image. Pour, pour faire des groupes de niveau, pour faire des groupes de niveau, Pour les faciliter aux gens. L'idée, c'est que on peut avoir dans toute la Tunisie des gens qui ont envie d'améliorer le français par rapport à ce qu'ils maîtrisent par ailleurs. Mmh. Et on leur propose d'aller sur des niveaux. Alors tout le monde connaît A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc nous, on a 11 000 inscrits en ce moment dans nos cours de français dans toute la Tunisie. Et le, la logique de faire ces cours de français, c'est d'aller sur une certification. Il y a deux types de certification. Il y a le DEF, le Diplôme d'études de langue française, qui certifie un niveau, comme je les ai dit, A1, A2, B1, mmh. B2. Et c'est à vie. On a le diplôme, on l'a à vie. Et puis, on fait aussi les certifications TCF, les tests de compétences en français. C'est très, très, très connu en ce moment en Tunisie, parce que pour demander un visa pour le Canada, il faut le TCF. Mais le TCF, ça ne dure que deux ans. Donc, si on n'a pas eu le visa entre-temps, il bah, faudra passer. Et ce n'est pas forcément ceux qui apprennent les cours de français qui présentent les tests. Ça peut être des publics différents. Ceux qui font les cours de français, ils vont attendre un petit peu pour être sûrs d'avoir le niveau pour passer à la certification. Et puis, il y a d'autres qui veulent leur certification, qui pensent déjà l'avoir ou qui... On a tous les formats, il n'y a pas d'obligation, c'est ouvert. En revanche, les certifications TCF et DELF, c'est vrai que c'est clair que c'est l'Institut français de Tunisie qui s'en occupe. أه نحكي على 11 ألف شخص حاليا مقيدين يقرأوا في دروس اللغة الفرنسية آلاف من التوانسة يحبوا يحسنوا مستواهم في اللغة الفرنسية 13 مكان أه للناس يعني 13 بول باش يقرأوا مثلا يعني حتى كان فاميش ولا ان يفتي اليفتي قامت بقراء قاعات وتخصيص أساتذة توانسة اللي يقوموا بتعليم البرنامج هذا مثلا مؤخرا تم اعاده افتتاح في 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 توزر وتبيع اليفتي هي المشفى على اسناد

leur parcours, ils passent le DELF ici, ils passent par campus. Il n'y a aucun problème. D'accord. Euh, c'est ouvert. Il y, y a quelques semaines, c'est un diplomate soudanais qui m'a demandé de l'inscrire à des cours de français. Des gens du monde entier qui nous contactent qu'on croise, comme ça ils disent ah j'aimerais bien approfondir mon français. Voilà, j'ai, je connais un, un étudiant pakistanais qui vit aux États-Unis, mmh. qui est arrivé à Tunis et, et il vient à l'Institut français régulièrement. On a tous les profils. Tout le monde a le droit d'apprendre le français. C'est pas réservé, il y a pas de sélection, c'est pas fermé. D'accord. Allez, on va un peu accélérer parce que faire le bilan d'une année c'est pas aussi facile Une heure c'est pas euh, c'est pas trop. Euh, donc nahkiu lyoum ma monsieur Fabrice Rousson dakar comme vice conseiller de coopération et d'action culturelle Coca qui est directeur de l'Institut français de Tunisie, bach nftah milaf al qanoun al jadid nta' al hijra w talaba li kanou metqalqin men al qanoun hadaya, ntammenkou had chi ma mess bi al-atalaba 2024, donc euh, hier, donc, vous avez fêté un, votre anniversaire, donc euh, une année, donc à l'IFT. 2024, c'est aussi les Jeux Olympiques en France. Est-ce qu'il y aura quelque chose Donc, ce qu'on l'IFT ramènera-t-elle Donc, euh, ramènera-t-il euh, les Jeux Olympiques euh, à, à Tunis Et sur euh, des, des projections Je ne sais pas, je, je dis dans quelques idées. Qu'est-ce qu'il qu qu y a comme programme donc, pour l'IFT ah, euh... Les Jeux Olympiques, c'est l'été. Oui. Et l'IFT, l'été, ce n'est pas notre période de plus grande activité, okay. mais je pense qu'il y aura quelque chose comme un écran dans la cour pour pouvoir suivre ouais. les Jeux Olympiques, même si ça risque d'être très chaud, euh, ouais. parce que l'été en ce moment en Tunisie, il fait quand même très chaud dans la journée. On va, on va faire en sorte de pouvoir les promouvoir, accompagner, en parler, en parler régulièrement, et puis surtout, derrière, on n'oublie pas qu'il y a les Jeux Paralympiques. Et la Tunisie est une grande nation des Jeux Paralympiques, beaucoup de médaillés tunisiens à chaque édition, et c'est des valeurs auxquelles on est très attaché, nous, à l'IFT. Le fait que tout le monde pratique le sport. Ce n'est pas réservé aux sportifs de l'élite. Donc, on aime beaucoup les Jeux Olympiques, c'est très important. Les Paralympiques, ça sera important aussi. Et puis, 2024, c'est aussi l'année du sommet de la francophonie en France, à Villers-Cotterêts et à Paris. On prend le relais de la Tunisie. La Tunisie C'était à, à Djerba en 2022, oui. en novembre. Euh, donc, euh, bah, voilà, on est très, très fiers qu'on euh, puisse prendre le relais de la Tunisie qui a fait un, une vraie réussite ce sommet de Djerba. Là, ce sera en France. On a créé la Cité internationale de langue française à Villers-Cotterêts. On va faire une partie des événements à Paris aussi. On va en parler aussi, c'est important parce que c'est avec tous les pays du monde. La langue française, c'est plus de 280 millions de, de locuteurs dans le monde. Donc on est très très loin de la seule population française et heureusement. Uh, 2024 هي سنة uh, قمة الفرنكوفونية دونك بعد تونس في 2022 مرة هي تحتضنها فرنسا باش فما برشا نشاط نحكيو عن 280 مليون شخص يتحدثوا اللغة الفرنسية في العالم سنة 2024 أيضا سلتوا على الجوز أولمبيك تعرفوا في الصيف ولكن أيضا فما اهتمام أكثر بالبارا أولمبيك بالنجاح والتوفيق دونك لا دي برانسيبو دونك Raison pour laquelle des Tunisiens visitent l'IFT avec ces trois locaux, c'est le fait d'avoir l'envie de partir étudier en France. Et pour partir en France, il faut passer par Campus France. Et c'est une obligation. Pour... Donc, On doit passer par Campus France qui existe donc, euh, à Sousse, à Tunis et à Saxe. À trois espaces, effectivement, voilà. dans les trois instituts. Est-ce qu'on a des chiffres, par exemple, sur la mobilité et la, universitaire tunisienne en destination Parce que la France... Euh, L'office euh, des, des Tunisiens à l'étranger a, a, a mis donc en mai 2023 donc, euh, les chiffres tunisiens. Et la France est en, en, en euh, c est, on trouve 58% à peu près des étudiants donc, Tunisiens qui partent à l'étranger <coughs> partent en France. Ça correspond à peu près à, à, à nos estimations. Hein. On, on est à un peu plus de, de 10 000 étudiants tunisiens qui sont partis étudier à l'étranger en 2023. Un peu plus de 5000 en France, 5300. Qui... Mmh. Ce qui veut dire que un peu plus de la moitié des étudiants tunisiens qui sont partis faire des études à l'étranger sont venus en France. Mais c'est pas pour rester en France définitivement. Ils peuvent aller dans d'autres pays après, revenir en Tunisie après le diplôme. Là encore, ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait partie de la mondialisation. C'est lié à une relation particulière entre nos deux pays. Il ne faut voilà. pas oublier que. Comment expliquer ça Mais Vous, diplomate, vous, êtes, vous étiez en Chine, vous étiez en Russie, partout. Comment expliquer que malgré que là, il y a une concurrence, il y a des pays qui présentent peut-être des programmes d'études qui sont moins chers, qui sont moins, moins compliqués peut-être même dans les, 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 les étapes, mais plus que 50% des Tunisiens qui veulent partir étudier à l'étranger choisissent toujours la France Il y a quand même toujours la, la, la question linguistique. Il y a quand même beaucoup d'étudiants tunisiens qui sont capables de suivre des étudiants français, surtout après avoir pris des cours à l'Institut français, mais pas seulement. Euh, il y a beaucoup d'élèves tunisiens qui, après le baccalauréat, sont en mesure de suivre des études en France, dans langue française ou que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Donc d'abord il y a la langue qui fait que c'est pratique. Et puis il n'y a pas que ça. Euh, c'est pas cher les universités françaises, même si il y a les frais différenciés depuis 2018. Globalement, ça reste beaucoup moins cher que la plupart des autres pays du monde. Donc les études universitaires en France sont très peu coûteuses. Nos écoles d'ingénieurs sont aussi quasiment gratuites, mais au du moins très peu chères par rapport aux autres écoles d'ingénieurs dans le monde. Seules nos écoles de commerce sont assez chères, mais on a les meilleures écoles de commerce du monde. J'allais dire au même niveau que les États-Unis et devant les Britanniques. Donc là encore, c'est une question d'opportunité. On n'oublie pas encore une fois qu'il y a plus d'un million quatre résidents en France qui ont un passeport tunisien. C'est-à-dire que c'est plus de 10% de la population tunisienne qui vit en France, avec une double nationalité ou pas. Cette relation-là, elle est incomparable. Il n'y a aucun autre pays au monde. Donc, peu importe le jugement qu'on porte sur cet état de fait, c'est une réalité pour les familles, pour les gens. En France, on connaît quelqu'un, on a des amis, des cousins, des oncles, des tantes. C'est plus simple aussi pour euh, s'installer quand on est jeune étudiant, d'arriver dans un pays où on a des contacts. Et puis. En même temps, c'est la moitié d'une mobilité très importante, parce que plus de dix mille étudiants, ça fait de la Tunisie un des pays où il y a le plus de mobilité sortante. Comparativement au nombre d'habitants. Absolument. Ouais. Et au nombre d'étudiants, puisque c'est à peu près 300 000 étudiants, un petit peu moins de 300 000 étudiants. C'est quasiment le double de la moyenne mondiale de départ à l'étranger. C'est très important. Ça veut dire qu'il y a une vraie appétence des étudiants tunisiens pour aller compléter leurs compétences et leurs apprentissages dans le reste du monde. C'est aussi une expérience de l'étranger qui change la vie, qui vous rend plus adaptable, plus pragmatique, qui change le regard sur les choses. Et quand on revient travailler chez soi, on est aussi peut-être plus performant. Donc, on est très content nous en France de contribuer à, à, à cette formation de la jeunesse tunisienne. دونك بوكو ا على علاقه استثنائيه وهي واقع بين تونس وفرنسا نحكيو على مليون و الف تونسي موجودين في فرنسا حاملين لجواز السفر التونسي بجنسيه مزدوجه او جنسيه واحده اللغه الاسعار اللي تبقى ايضا مقبوله جدا ومعقوله جدا للطلبه نوعيه المعاهد العليا واحده من افضل المؤسسات على مستوى دراسه الهندسه افضل المؤسسات التعليميه الجامعيه في العالم يمكن بعد الولايات المتحده الامريكيه في مجال التجاره الكوميرس فرنسا ايضا على بعد ساعتين وهي ايضا بالنسبه للتوانسه مكان سهل جدا الاستقرار فيه وبدايه حياه جديده بالنسبه للطلبه الجدد وتقريبا اي شخص عنده شكون في فرنسا ذلك علاش تبقى فرنسا نحكيو على 10 الاف طالب تونسي خرجوا للخارج في 2023 اكثر من 5 الاف منهم فرنسا اللي ديما Il y a aussi beaucoup de travail de l'IFT et de Campus France. L'année dernière, j'étais au Forum de mobilité. Donc, il y a, il y a aussi un savoir-faire dans la promotion des études universitaires en France. Il faut donner aussi ce, 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 ce salut aux gens qui, qui travaillent là-dessus parce que la, la, la France, devant toute cette compétence -là internationale, c'est des défendre aussi euh, la qualité de son diplôme et la qualité de ses universités. Le, le savoir-faire de Campus France Tunisie, il est, il est reconnu, il est très connu de l'agence Campus France à Paris, qui connaît la qualité du travail de, de l'équipe dirigée par Austin Daklaoui, qui fait un travail remarquable en Tunisie, et pas seulement dans nos trois espaces, mais c'est aussi aller par la caravane Campus France oui. à la rencontre des étudiants dans toute la Tunisie, dans toutes les universités de Tunisie. Cette année, le, le forum aura lieu le 26 et 27 avril. Faudra y revenir. D'un certain temps. Juste après va, Voilà. La caravane Campus France, ça va être un moment très important aussi pour apporter des informations, des conseils aux étudiantes et aux étudiants de Tunisie qui ont envie euh, de, de faire un, un, une poursuite d'études en France. On est là pour donner des conseils. Encore une fois, Campus France, le but c'est conseiller, accompagner. On ne veut pas le plus grand chiffre possible d'étudiants tunisiens en France, on veut que toutes celles et ceux qui partent réussissent totalement les études qu'ils vont faire. C'est la seule chose qui compte pour nous.

vous savez toujours le, le problème de visa en tunisie on refuse les visas, mais c'est pas le cas pour les étudiants même pour les rendez vous donc l'ift et campus france facilite toujours l'accès aux rendez vous pour les étudiants qui viennent déposer leurs demandes et même le nombre et le pourcentage donc euh, de, de accorder pour les étudiants parce que il a toujours cette polémique et 7 on différencie pas donc le problème de le, le visa touristique les rendez vous le problème et tout ça ça n'existe pas pour les étudiants les rendez vous sont dans les 24 48 heures donc euh, avec l'aide de l'ift de campus france donc on est tous méditerranéens on adore les polémiques la haute voix aussi on, voilà, on peut crier un toujours, peu là. on aime beaucoup ouais. c'est pas grave ça fait partie de la culture euh, campus france aide les étudiants tunisiens à constituer aussi leur dossier visa qu'est ce qui fait qu'on a un taux de délivrance favorable des visas pour études très élevé, sans doute le plus élevé des étudiants du continent africain en tunisie et bien plus élevé que les autres catégories de demandeurs de visa en tunisie c'est parce qu'on conseille, qu'on accompagne et qu'on aide. Qu'est-ce qui fait que les autres catégories de population ont plus de mal à obtenir un visa Les dossiers sont mal remplis, il manque des informations, c'est pas complet, c'est pas précis. Campus France apporte cette, ce, ce service, oui c'est un, un savoir-faire, c'est un service. Et c'est pour le plus grand bénéfice des étudiants tunisiens, moi j'en suis très content. دونك uh, حبيت نرجع معاه جوستومون على النقطة هذيا بالنسبة للطالب اللي ما يتسائلوا كومبوس uh, فرونس يرافقكم في إجراءات إعداد الملف نتاعكم حتى لي لي رونديفو نتاع الفيزا تاخذوها على بلاس وما تتعطلش وكيما كان يأكد لنا مسيو فابريس روسو كونسي دو كوبيراسيون داكسيون كولتوريل كوكا كي ديريكتور دو في تونس نسبة إسناد الفيزا للطلبة التالب... التوانسة اللي تقدموا بها نسبة عالية جدا وهي الأعلى في كامل القارة الإفريقية بعد الفاصل أبخلا بوب في دقائق باش نرجعوا لموضوع وجدل للواء سور ليميغراسيون شنو فما جديد وخاصة باش نحيو التخوفات نتاع العائلات ونتطلب الطلبة راي ما مستش حقوق الطلبة لحظات فسرولكم كل شيء هنا راجعين

اي اف تي لاستيتيوت فرونسي ولكن ايضا كونسية دو كوبيراسيون دكسيون كوكاك في تونس حكينا معه في الجزء الاول من اللقاء على الشراكه التونسيه الفرنسيه في مختلف المجالات خاصه الثقافيه حكينا على لي ذكركم افتتاح ان شاء الله الرسمي لي اف تي سوسه بكامل المكونات نتاعو باش يكون في شهر ماي حكينا على بعض الانشطه اللي تستنى طلبه ومحبي لي و مؤخرا كما قلت في نهايه سنه 2023 الجدل كان بالاساس قانون الهجره الجديد في فرنسا وقانون اقترحته الحكومه مش المجلس النواب تمت المصادقه عليه بعد نقاش كبير مع مجلس الشيوخ 349 نائب ايدوه في مجلس النواب عرضوه 186 لكنه مر دونك 349 pour cette euh, loi 186 l'ont refusé c'était une polémique même en france mais pour ceux qui nous intéressent c'est pour les étudiants tunisiens qui ont craint que euh, certaines euh, textes de, dans cette loi va, va le, les empêcher de bien poursuivre leurs études donc donc dans sa première version touche les droits des étudiants quelque chose qui n'est pas maintenant, et on a même écouté le président français qui n'a qui, 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 qui pas aimé ces changements. Donc avant donc le, le, le vote final, il a dit que ce n'est pas le texte donc, euh, du gouvernement. On revient là-dessus, c'était une polémique même. On, on vous demandait ça, donc à l'IFT, pas les familles, les étudiants. donc ah, Peut-être pas à l'IFT, plus à Campus France. Un campus que je suis. Mais nous aussi, on nous a tous posé la question. On s'est tous posé la question. Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé Le gouvernement propose un texte de loi. Des députés, qui ne sont pas forcément tous de la majorité, le modifient, apportent des amendements. On prévient, le gouvernement a prévenu, ça ne passera pas, ce n'est pas conforme à la Constitution. Ils ont adopté avec les amendements et le Conseil constitutionnel a décidé euh, de censurer les amendements pour des raisons techniques. Finalement, ça arrive dans tous les pays que euh, des députés adoptent des, des textes de loi qui Sont ensuite pas appliqués, donc il n'y a rien de particulier à ça. Il y a eu beaucoup d'émois parce que les étudiants étrangers en France, on en compte 400 000 aujourd'hui, c'est pas rien. Avec un objectif 500 000, donc euh, dans deux années, en 2025, oui, ouais, c'est l'objectif que le président a fixé euh, à l'enseignement supérieur français déjà y a, en 2018. Hein. Mmh. Il C'était en sept ans de passer de à peine 300 000 à 500 000. Euh, c'est un objectif ambitieux, la concurrence est rude. Euh, mais on n'est pas là pour, euh, je dirais, se, se, se batailler sur des parts de gâteau. On parle de jeunes qui représentent l'avenir du monde et qui viennent de dizaines de pays dans le monde entier. Donc oui, il y a des grosses cohortes parce qu'il y a des pays qui fournissent encore plus d'étudiants que les autres. Mais il faut rapporter ça à la population du pays, il faut rapporter ça aux stratégies, à la, à la richesse du pays.

plusieurs textes, donc, et, et le problème donc, de la caution retour. Il y, y avait des textes qui gênaient les étudiants. Là, est-ce qu'on peut garantir que, ça y est, c'est fini, ce petit cauchemar entre guillemets La caution retour, c'est un mauvais souvenir. D'accord. Ça n'existe plus, ça a été censuré. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Même si à un moment on a dit oui mais on pourra la mettre à un tarif très bas, non il n'y en, mm -hmm. en a pas. Les étudiants étrangers sont les bienvenus à partir du moment où la... Procédure. Campus France, avec un avis qui est donné sur la candidature, l'adéquation de la candidature aux études souhaitées, du moment que ça colle, ça passe. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de visa délivré derrière. Mais attention, il n'y a jamais eu dans les faits l'application de la loi, puisqu'elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc concrètement, cette histoire de caution, c'est un mauvais souvenir. Donc, qui dans le pour pays. L'article 12 et l'article 13 ont aussi été jugés contraires à la Constitution. Donc, le fait donc, de justifier chaque année donc, du caractère réel et sérieux, et aussi la majoration donc, des droits d'inscription. Et comme l'a dit donc, le, 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 le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc, Sylvie Rotaillot, les étudiants internationaux sont une chance pour la France. Et je crois que au moins pour les étudiants sur ce sur cette loi, ça, ça c'est garanti et ça, ça, ça a été gardé. Le caractère réel et sérieux, c'est nous qui en jugeons. Ce sont les équipes Campus France et l'Institut français de Tunisie qui jugent du caractère réel et sérieux de la demande de l'étudiant tunisien. Et l'intérêt de la France, c'est d'avoir des étudiants tunisiens parce qu'ils ont un excellent niveau. Et que nous, on veut juste que nos universités, nos grandes écoles aient d'excellents étudiants, peu importe ce qu'ils font après. Donc, L'intérêt de tout le monde, l'intérêt bien compris, c'est d'avoir d'excellents étudiants tunisiens qui font des études supérieures en France. Et c'est l'intérêt de la France. On espère que tout le monde est d'accord pour dire que c'est aussi l'intérêt de la Tunisie, parce qu'ils reviennent après. Ils apportent leurs compétences, leurs connaissances, leur expérience pour la croissance tunisienne. Ivan, donc. Euh... كما كنتوا تسمعوا مش فابريس روسو أكدنا لنا انه كل النصوص اللي كانت مخوفه الطلبة وعائلاتهم تنحات من هذا القانون قانون الهجره الجديد لا عاد فما كوسيون ما عاد فما الترفيع الكبير اللي كان مطلوب على مستوى الفلوس بالنسبه للطلبه بالعكس باي ذا وي دونك كومبوس فرونس ا ميم برولونجي دونك لي ديلي دونك 15 فيفريي بور لا بروسيدور اور دي اف اي بوت et افيك تري بيانتو Le campus art et, et Alors, les autres. C'est très important. Oui. Ça veut dire que là, là, on est le, le 2 février, il y a encore. Deux semaines quand même. Allez, Par presque temps. deux semaines hum. pour pouvoir lancer des procédures et, et aller au bout hein, et avoir du succès sur les écoles d'ingénieurs après prépa intégrées, sur les bachelors universitaires de technologie. C'est pas très beau comme formule, mais on sait ce que ça veut dire. Euh, sur les masters, les licences en deuxième, troisième année, on pourra aller sur du campus art. Il y a encore plein d'études possibles. En on peut accéder dès à présent, là jusqu'au milieu du mois de février. Il faut en profiter. Encore une fois, ce n'est pas des promotions, ce n'est pas des soldes, c'est la qualité d'un service et la qualité d'un parcours universitaire qui est proposé aux étudiantes et aux étudiants tunisiens qui auraient envie de le faire. شكرا لك ميرسي بوكو مسيو فابريس روسو كيما كنتو تسمعوا دونك بالنسبه لعدد كبير من الاختصاصات تم التمديد بالنسبه لكومبيوس فرانس تلقاو كل التفاصيل على الباج فيسبوك نتاع كومبيوس فرانس ولا على كومبيوس فرونس تونسي بالطبيعه ولا على الي تي فيما يخص هالاجراءات ولا تابعونا أسبوعين نعطيكم ديما لي دات ومختلف الحاجات الجديده تري زونوري بور فوز بور فوز كوم انفيتي Euh, en Tunisie, on dit Mabrouk, votre première année donc euh, on devrait avoir un gâteau donc, pour, pour fêter cet anniversaire et à très bientôt parce qu'il y avait plusieurs sujets qu'on pouvait aussi débattre, les coopérations et les donc euh, ça, à, donc on se donne un, un rendez-vous très bientôt Merci beaucoup. Merci infiniment pour l'invitation, merci pour votre accueil et j'espère que je n'attendrai pas un an avant de revenir Voilà, j'espère. Mais avec Monsieur, un gâteau, ça sera avec voilà. un gâteau Monsieur Fabrice Rousseau, conseiller de coopération d'action culturelle COCAG, directeur de l'institut français de Tunisie, qui تقدمهم اليفتي وخاصه رجعنا مش فسرنا لعبة شويه آه موضوع قانون الهجره الجديد اللي ما يهمش طلب ما يمسش الطلبه التوانسه اللي تو قاعدين حضروا في الملفات نتاعكم آه حضروا ملف به عندكم بالنسبه لعدد كبير من لي بروسيدور الاور دي بي والبوت والكونفوس ار آه وكل شيء مازلت تتواصل حتى 15 فيفري وحتى في مارس مازلت عندكم فرصه باش تقيدوا تمشيوا تقراوا من سبتمبر وحظ موفق للناس الكل نتقابلوا ان شاء الله في لقاءات قادمه ديما على اي اف محلى رجو شكرا سفيان وسفيان يرافقونا في في الاخراج يعطيكم الصحه الى اللقاء